Ça a mal été fermé quoi. Bon, on a une petite heure pour déveiller tout ça quoi. Voilà, test du Mirage, donc un duvet avec un garnissage de 300 grammes, je crois. Bon, c'est un duvet qui est très large et qui est vraiment fait pour être utilisé en conditions froides. Enfin, si on l'utilise en conditions froides, pour l'utiliser avec plusieurs couches, quoi. Donc moi, hier, j'avais une première peau en laine Mérinos et cette petite doudoune. Donc ça s'est bien passé en haut du corps. Petit souci en bas parce que j'avais deux collants et ça mériterait d'avoir au moins un pantalon en polaire ou quelque chose de plus épais quoi. Sinon les réglages sont vraiment impeccables comme en général sur les Valandrés quoi. Le double tanka fait que on a vraiment le plus petit trou possible, c'est vraiment très maniable. Et un duvet évidemment très compressible dans le sac à dos pour le transport, c'est super. Voilà le volume du Mirage dans son sac de compression. Qui continue à se comprimer hein, légèrement parce que là on est déjà le duvet est déjà bien comprimé, mais on peut encore faire un peu. Voilà au cœur des Alpes de Haute-Provence, je viens de passer une nuit à 2050 mètres. On est à la mi-mai 2013, donc avec le Valandré Mirage. Une nuit avec des températures légèrement positives, et là c'est un duvet qui est largement suffisant puisque. Je l'ai même un peu ouvert pendant la nuit. Voilà, donc pour ce genre de randonnée, on va dire de mi-saison, là tout à l'heure on va faire l'ascension du Grand Goyer, c'est un duvet qui a l'avantage d'être léger dans le sac et puis d'apporter vraiment un confort thermique tout à fait suffisant pour ce genre d'opération, pour ce genre de parcours. Alors comme dans tous les Valandrés, une fois qu'on a zippé, donc il y a ce système de double tanka ici, donc ils viennent se mettre l'un sur l'autre ici pour pouvoir avoir un verrouillage en tirant simultanément sur les deux tankas comme ceci. Voilà. Donc, ça permet tout un tas de réglages faciles et simples.